Jedi, quel soulagement! J'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. C'est la maison Terral qui vous envoie, n'est-ce pas? Ils nous ont proposé une alliance, et j'allais justement à leur rencontre quand... Enfin, heureusement que vous êtes là. Ravi d'être arrivé à temps. Merci. C'est encore un peu douloureux, mais j'ai la vie sauve, grâce à vous. Je me rendais à la maison Terral pour discuter de l'alliance par mariage, quand ces assassins ont surgi et m'ont fait tomber de mon trentard. Je me suis réveillé ici. Est-ce qu'ils essayaient d'empêcher l'Alliance? Mais qui aurait intérêt à faire ça? Sans Alliance, il m'est impossible d'aller au sommet. Quelqu'un n'a peut-être pas envie que j'y aille.
Qui voudrait vous en empêcher? Quoique, maintenant que vous le dites, quand j'ai perdu connaissance, il parlait de Maître Sidonie. Mais en quoi pourrait-elle être mêlée à tout ça? C'est forcément un coup monté. Je pense que Maître Sidonie est souffrante. J'espère pouvoir l'aider en me rendant au sommet. Mais j'ai confiance en elle. Ah. Désolé, j'ai mal à la tête depuis ma chute. Je ne partirai pas tant que je n'en aurai pas le cœur net. Mes ravisseurs se rendaient dans l'autre pièce pour contacter leur employeur. Je suis sûr qu'on y trouvera une unité de communication. Il faut qu'on sache qui ils appelaient. Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas. Oh, Jedi, c'est gentil de vouloir m'aider, je ferai part de ton enthousiasme à Maître Yuan. Mais je suis extrêmement occupée, je n'ai pas le temps de discuter. Vous avez engagé des assassins pour enlever Lou Organa. Pourquoi? À ta place, j'éviterai de proférer de telles accusations à l'encontre d'un Maître Jedi. Je te prie de m'excuser, Jedi, j'ai du travail qui m'attend. Attendez! Maître Sidonie! Je ne comprends pas. Pourquoi a-t-on trouvé son holofréquence? Je vous assure que Maître Sidonie n'est pas elle-même. Mais c'est elle qui supervise le sommet. Elle pourrait tout gâcher. Pitié, faites-moi sortir d'ici. J'ai un mal de tête atroce. Et je ne me sens toujours pas en sécurité. Je veillerai à ce que l'alliance entre Organa et Terral soit conclue, et à ce que vous alliez au sommet. Pas. Pourquoi prendre un tel risque? Seigneur Terral, sans risque, point de gloire. Le seul moyen d'éviter les risques, c'est d'éviter la guerre. Et avouez que ce serait ni efficace ni divertissant. Non, j'imagine que non. Ah, Jedi, vous revoilà. Le général Vox et moi discutions stratégie. Notre maison n'avait pas connu telle gloire depuis ses débuts, alors qu'elle forgeait une alliance avec la maison Panthyr. Merci, Jedi. C'était votre plan. Je n'ai fait que l'exécuter. Mais nous n'y serions jamais arrivés sans vous. Lou Organa et ma fille Fasha font en ce moment même connaissance. J'ai parlé au reste de la maison Terral. À l'unanimité, vous êtes officiellement notre nouveau représentant.
Félicitations. Je dois maintenant me rendre au sommet pour m'entretenir avec Maître Sidonie. J'ai les éléments que notre dernier représentant devait utiliser, mais je n'y comprends rien. Il s'agit de coordonnées et d'une clé d'intrusion. J'imagine qu'il faut se rendre aux coordonnées indiquées et utiliser cette clé d'une façon ou d'une autre. Veuillez m'excuser, je dois me rendre immédiatement au sommet. Un instant, Jedi, si je puis me permettre. J'ai une autre faveur à vous demander. La maison Terral ne connaîtra jamais la paix tant que la maison Ulgo existera. Si en votre qualité de Jedi, vous pouviez convaincre le sommet de déposséder la maison Ulgo, de veiller à ce qu'il n'ait plus accès au pouvoir, nous vous serions reconnaissants. Je ne ferai rien qui puisse compromettre la paix. Je vous en prie, Jedi. La maison Terral est désormais en sécurité, mais justice doit être faite. Bonne chance pour le sommet. J'espère que vous trouverez Maître Sidonie en bonne santé et que tout ira bien.